Salut tout le monde, c'est Evie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo à ma volière. Donc pour vous montrer ce qu'il y a eu de plus, de changements, etc. Des nouveaux, tout. Parce que vous avais présenté ça cet hiver, donc, il y a plusieurs mois, ça caillait. C'était entièrement gelé, maintenant il fait beau. J'ai ressemé de l'herbe. Je vais vous montrer tout ça. Alors on va commencer par tous les nouveaux. Après je vous montrerai les autres. Alors. Nous avons un mâle panaché, couleur claire. Un mâle panaché foncé en couleur. Donc ceux-là pour l'instant ils sont tout seuls. Ici nous avons une femelle grise donc, que j'avais pas. Donc un très beau gris argenté, donc elle est vraiment super belle. Donc, je vous montre pas pour l'instant ceux que j'avais déjà. Ici nous avons un couple de pigeons. Bah, logiquement c'est un couple. Je sais pas c'est lequel, le mâle et la femelle. Donc c'est des pigeons pans. Donc avec le... Un avec du noir sur les plumes. Et là un autre avec du marron. Donc ils sont très très heureux. Regardez. Donc voilà. Donc et sinon ici un mâle, un très beau mâle couleur orangée. Voilà, j'ai enlevé l'ombre. Donc voilà. Donc les ceux que j'avais déjà. Donc ici on a une de mes deux tourterelles que j'avais déjà. Là-bas une des colombes. Ici une colombe qui couvre un œuf. Parce que si j'en mets trop, on va péquer. Donc voilà, donc elle couvre un œuf. Donc cette femelle là, elle est avec l'autre femelle là-bas. Donc les œufs ne seront pas fécondés logiquement. À part si un mâle l'a fécondé, mais je ne pense pas. Donc là nous avons cette belle femelle. Donc dans la dernière vidéo je pensais que c'était un couple, mais non, c'est deux femelles aussi. Donc ici il y a l'autre femelle. Donc elle est en train de couver son œuf. Donc elle est hyper gentille, ça la dérange pas, regardez. Elle est beaucoup plus calme. Voilà, donc là-bas il y a son œuf. Donc là elle en avait un autre, sauf qu'il y avait une fissure, il y avait un petit trou, du coup j'ai préféré enlever parce que de toute façon il serait pas bon. Donc le mâle plus foncé, celui là-bas, a essayé de cocher cette femelle et celle-là aussi, donc les deux. Donc on verra ce que ça va donner parce que c'était pas sûr. Et il l'a fait hier, et puis avant-hier, et elle a pondu son premier œuf le lendemain. Donc un œuf hier que j'ai enlevé parce qu'il était fissuré. Et un autre œuf qu'elle a pondu aujourd'hui. Ici chez les blanches, il y a un œuf. Voilà, donc l'autre œuf avait complètement cassé. Donc je l'ai enlevé. Donc voilà, donc du coup elle en a un. Donc pour l'instant, il y a une femelle qui avait fait une première ponte avec deux œufs. Après, elle a pondu toutes les deux quatre œufs. Et là, elle recommence une autre ponte. Je leur avais enlevé les œufs il y a une semaine et ils commencent déjà à repondre. Donc voilà. Donc eux, c'est leur deuxième ponte de toute leur vie. Donc elles avaient pondu 4 œufs aussi, j'ai enlevé s'ils n'étaient pas fécondés. Donc les œufs, je les mirerai une semaine après qu'ils seront pondus. Donc voilà, donc je ferai une vidéo chaque week-end pour vous donner des nouvelles. Donc les pigeons, il y en a un qui est allé dans ce nid-là, donc on verra ce que ça donnera. Donc ici nous avons un mâle orangé. Donc voilà, donc il est avec la femelle grise, celle-là. Qu'avant cette femelle, elle était avec le mâle là-bas. Maintenant elle s'est mise avec celui-là depuis qu'ils sont chez moi, parce que ça fait pas longtemps. Donc elle a pondu son premier œuf, donc logique, il y a de grandes chances. Parce qu'elle est sûre qu'ils sont fécondés, donc je mets les œufs dans cette boîte. Donc là c'est le mâle qui a pris le relais de la femelle pour couver. Donc voilà. Donc là-bas on a rajouté c'est des minéraux. Donc là il y a une mangeoire, une autre là-bas, l'autre ici. Donc voilà. Pour boire c'est en bas. Et il y en a une aussi là. Donc voilà, donc les poules devraient arriver dans une semaine. Donc là ça c'est quand je viens les observer, je m'assois là. Donc voilà, donc logiquement il y aura les poules. C'est pour ça que là j'ai mis ça. Donc c'est pour que les poules n'aillent pas là quand je les aurai, surtout vu que là il y a ce mâle qui couvre. Bah ici il y a un couple. Donc voilà, c'est un peu bas, donc j'ai un peu peur quand même. Voilà, du coup, et puis aussi pour que l'herbe elle pousse un peu plus. Parce que quand il y aura les poules vont tout bouffer. Donc voilà. Donc du coup pour l'instant ces deux mâles là sont tout seuls.
Donc je mirerai les œufs de tout le monde. Et si les œufs des deux femelles sont pas fécondés, je mettrai une femelle avec un mâle et l'autre avec l'autre mâle pour essayer de faire deux couples. Les colombes, je les laisse ensemble parce que ça fait 3 ans qu'elles sont ensemble, même si c'est deux femelles. Ça fait 3 ans qu'elles sont ensemble, donc c'est pas grave. Donc aussi, j'avais deux autres tourterelles que j'ai données à ma grand-mère. Donc voilà, donc la femelle est fécondée. Donc si elle pond des œufs, je les mettrai peut-être sous cette femelle. Comme ça, ils auront des petits parce qu'elle veut pas de petits. Donc voilà. Donc ici, j'ai mis du sable pour faire une petite allée. Donc on a trois nids dans l'arbre. Donc un là et un ici. Donc là, l'herbe qui commence à repousser. Le petit arbuste. Donc voilà. C'est à peu près tout. Donc l'herbe va être très vite mangée avec les poules. Donc ça va être des poules sucettes. Donc les poules blanches. Voilà. Je sais pas. Ah non, ça c'est l'œuf que j'avais enlevé tout à l'heure. Parce qu'il était cassé. Donc voilà. Ah, donc c'est à peu près tout. Donc là, il fait assez beau aujourd'hui. C'est le printemps. Donc je vous donnerai des nouvelles samedi prochain.